Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc on a reçu aujourd'hui une petite Candy Sandbox. Donc je pense que c'est celle décembre, Noël. On va voir. Bon bah avant de commencer cette petite dégustation, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets les prochaines vidéos, puis allez c'est parti. Bon allez, hop, ouverture du petit paquet. Alors, en évitant de se couper évidemment, hein. J'ai encore réussi à me... snipper un doigt, tu vois. Alors, hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Alors. Voyons voir, qu'est-ce qu'on est... Oh. Ah, on a un petit truc. Alors, comme d'hab, on a le petit sticker, hein. Sticker. Ah. Où on a notre cher associé félin pour la déguste. Salut, mascotte. Mais il est sympa, celui-là. Comme d'hab, nous avons la petite truc pour donner les dates. Et ah ben non, ouais. Oui. On est un petit peu en retard, j'avoue. J'avais dit Candy San du mois de décembre. Eh ben c'est faux, voilà. Hein. C'était pour celle du mois de novembre. Ok, j'avoue. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc ce sera celle du mois de novembre pour décembre. Hein. Et puis voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, ça c'est... On n'a rien de plus, ça c'est un peu de pub pour chez eux. Hein. Mm-hmm. Là, tac, tac. Et puis on va attaquer dans le vif du sujet. Hop. Alors. Alors nous avons pas mal de petites choses. Voilà. Où on a un chat envahissant, comme vous pouvez constater. Hein. Bon, je te laisse choisir, vas-y. Premier petit item. C'est un gros item. Effectivement. Peut-être des cookies chocolat ou chocolat. Des cookies chocolat. Ouais. Donc voici le petit paquet. Hein, qui ressemble à ceci. Hein. Là. Alors. Non mais c'est pas pour toi mon chat. Qui parle? Non. Surtout parce qu'en plus ils sont dans un état un peu catastrophe. Oh, merde. Ah ouais, ils ont voyagé quoi. Oh, alors on va essayer d'en prendre un qui est un petit peu plus loin. Il y a voilà. Un souci là. Tiens. Merci. Je vais essayer d'en prendre un autre. Oui, c'est des mini cookies au chocolat. Alors effectivement, c'est des... Qu'est-ce que t'en... Des bibis. Des bibis. Voilà, on peut les voir. Hein. Mais ils sont mignons, on va voir au goût. Tu sais que je t'aime mon chat, mais t'es un peu envahissant. Hein. Ils sont très bons, c'est des petits cookies sympas avec le... Des cookies standards. Ouais. Avec le petit café, ça ira bien. Hein. Des bouchées. Ouais, des petits bouchées cookies, c'est pas mal. C'est cool. C'est juste dommage que... Mais en même temps... C'est un petit peu... Ok, ça voyageait du Japon en Suisse. Ok, je pense qu'il y a eu d'avoir quelques petits... Pas quelques petits ratés, mais c'est normal. Voilà. En même temps, hein. Tu veux encore un petit bout? Non, ça va. On va essayer de le... Ensuite. Allez. Non, je ne vais pas prendre à manger, je vais prendre le petit goodie qui est fourni avec. C'est un sou de verre. Donc nous avons reçu un petit sou de verre comme ceci. Sou de verre samouraï. Non. Ouais, okay. Ça a l'air. Il y en a différents. Vintage, Japanese Art, ouais. Ukiyo. Ah, mais non, c'est un set en fait. Ah, c'est un set, il y en a plusieurs. Oui. Donc c'est ceux qu'il y en a 4 ou 5 là, je pense. Bah, je pense qu'il y a tous ceux qui sont notés dessus. Ça tout de suite. On va voir. Voilà. Il y en a 5. C'est ça, ouais. Ouais, oui, en plus c'est marqué dessus, comme le porte-salut. Voilà. Il suffisait de lire, et puis voilà, en fait. Traditionnel. Donc... Peinture, art chinois, enfin japonais plutôt. Ouais. Alors, nous avons 5 petits... Alors, donc, le petit premier qui est comme ceci. Pukiyo et Paper Coaster, made in Japan. Là, ensuite... Là... Ah, ils sont sympas, hein. Voilà, c'est des petites sous de verre. Hop, et voilà. Ouais, c'est juste du papier, ça. Je pense que ça va pas tenir longtemps, donc... Mais bon, juste comme ça, pour une ou deux fois, je pense que ça va largement tenir, mais bon. La tension est bonne. Ouais, non, c'est cool. Bon, vas-y, pioche.
Fais-toi plaisir, pioche. Prends pas que les gros trucs, hein. Crunchy chocolate. Crunch chocolate. Chocolat crunchy. Évidemment, en plus, c'est spécialement sur des animés à première vue. Hein. Encore une fois ? Bah, c'est assez blindé quand même de. L'autre là, c'était sur. Demon Slayer. Celui-là, là, il me dit quelque chose. À mon avis, c'est toujours sur Demon Slayer. Ça a l'air d'être assez. Ça, c'est Demon Slayer, ça aussi, donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein. On va goûter ce petit crunchy, là. Alors. Bah, ça pèse pas bien lourd. Mais non, mais crunchy, c'est peut-être des trucs super light. On va prendre hop, une petite barre. Deux. Ah ouais, elles sont vraiment... C'est tout fin. Regarde. Oh, c'est chou. En fait, vous pouvez voir, là... C'est tout doux. Voilà, le chocolat est comme super fin. Et dessous, on a la partie crunchy. Du riz soufflé. Ouais, un petit du riz soufflé. C'est très bon. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser au Kinder Country, le goût. Mm-hmm. C'est à la base, les Kinder Country, c'est aussi avec du maïs soufflé. Hein. Donc c'est vrai. Ça y ressemble beaucoup et c'est très bon. Bon, cette fois c'est moi qui pioche. Mm-hmm. Je prends le premier. On dirait des espèces, c'est toujours sur. C'est de la marque Befco. Hein. On dirait des espèces de petits. Je sais pas trop. Est-ce que c'est sucré? Je sais pas, c'est voilà, c'est surprise. Et tu as un goodies derrière. Et effectivement, nous avons encore un petit goodies fourni avec. Ok, moi, sauvage, j'ouvre pour essayer de tirer le goodie, ça ouvre le paquet, voilà, hein, ouverture facile, voilà. Ça a l'air d'être du, je sais pas trop, on dirait du salé. C'est du salé. Là, nous avons ceci dedans. C'est des snackeries. C'est des petits snackeries. J'ai tellement bu ça. Et on va essayer de récupérer, parce que, il colle, hein. Ils l'ont bien collé, hein. Le petit snack. Ah, faut couper avec deux ciseaux. J'ai pas de ciseaux. Attends, c'est bon, j'ai le couteau. Non, mais j'avais réussi à ouvrir. Hein. Oui, je vois ça. Voilà, c'est ouvert. Hein. J'avoue, un peu à la sauvage, mais c'est ouvert. Alors... On avait quoi dedans? Rien. C'est une goodies. Si, c'est un petit autocollant en fait. Dans personnage. Dans personnage. Bah, dans Demon Slayer, voilà. Lequel? Le nom, je ne pourrais pas te dire. Parce que pour l'instant, je sais que je l'ai vu, l'animé. J'ai vu la première saison, j'attends la seconde. Mais je me souviens absolument pas des noms. Là, mais c'est sympa. Bon, vu que j'ai pioché, pioche. Ouais, je vais reprendre un petit. Vite faire un petit salé avant que. On va continuer sur les Demon Slayer. Ça aussi, ça va être des snackeries, je pense. Tu penses? Avec un goodies. Ah, il tient bien, hein? Il tient bien, mais on remarquera que tu ouais, n'as pas. Ouais, ok. Tu l'as pas explosé que moi. C'est en fait. Ensuite, on prend ça et on fait comme ça. Après, voilà, nous avons ceci. Alors oui, évidemment, j'ai enlevé le cache de protection de l'appareil photo et qui sait qui s'amuse à le mettre par terre? Ah, un chat. Voilà, et on a... Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ça, je sais que c'est la sœur du héros. Comment s'appelle le héros? Je sais plus, ouais. Mais voilà, donc nous l'avons ici. Si vous vous souvenez du nom et tout, vous pouvez le laisser en commentaire. Voilà. On va goûter ce petit snack. Ah, cette fois, j'ai mieux ouvert le paquet. Oh, ils sont mignons. Des tout petits touches. Ah, voilà, comment ils sont là, les petits snacks. C'est vraiment des petits trucs au riz, hein, ça a l'air d'être... voilà. Je sais pas si c'est au riz. Non. On dirait de la patate. Ah ouais. On dirait des chips. Qu'il y avait, c'était une espèce de frites.
Effectivement, c'est peut-être plus de la patate, effectivement. C'est des chips. On a des espèces de chips qui sont des espèces de frites, en fait. Des chips, mais c'est long, dur. Oui, non, okay, d'accord. Je le trouve. Non. Non, non, plutôt ma gueule. D'accord. Mais mis à part ça, c'est très bon. Bon. Donc cette fois, c'est moi qui pioche, hein. Bon, tant qu'à faire, on va rester sur le Demon Slayer, voici. Donc nous avons nouveau un petit goodies. Pommes de terre, frites, allumettes. Ok, d'accord, mais à coup de pas, hein. Et là, à mon avis, toi, c'est exactement la même chose, en plus. Mm-hmm. Voilà, plus deux. Donc là, nous avons nouveau en goodies derrière. Toujours contredire les hommes. Tiens. Surtout quand on a raison. Ouvre le goodies. Moi, j'ouvre le petit paquet en essayant de pas tout exploser. Ah là, c'est vraiment des... Regarde. Ouh. Ah, celui-là, je le connais pas. Ou je m'en souviens plus. Voilà, donc nous avions aussi après celui-là comme personnage. Et là, effectivement, là-dedans, voici les petits stacks que nous avons. Je vais pas essayer de trop tourner parce que sinon, voilà, il y a tout qui glisse. Qu'est-ce que ça dit ? Ça sera quoi ? Riz cette fois, nouveau patate ? Non, c'est nouveau patate, je pense. Mais c'est bon, c'est pas mauvais. Mais je préfère les précédentes. Mmh, ouais, c'est pas mal, ouais. Mmh. Ouais, c'est un petit peu différent, mais effectivement, l'autre... Mmh. Enfin, les deux sont bonnes. C'est compliqué. Mais c'est fort sympa, hein. Bon. Vas-y. Pioche. Voilà, qu'est-ce que nous a trouvé ? Ah. Des chips. À mon avis, des chips. Voilà, cette fois, comme ceci. Ou... Ben, je pense de nouveau toujours sur la même chose, hein. Alors, voyons voir. On dirait que ça ressemble un peu aux Pringles, mais là, à mon avis, c'est des Pringles en... Des mini Pringles. Ouais, c'est surtout des Pringles en miettes, à mon avis. Ah. Oh oui, c'est des Pringles. C'est des mini Pringles. Alors, tiens, fais attention. Ah voilà, effectivement, voilà. C'est des Pringles comme ceci, dedans. Si vous entendez du bruit, c'est un chat qui s'éclate. Hein. Vous faites pas attention. Oui, c'est des chips. Voilà, c'est des Pringles apéro. Qui a rien de plus basique. Hein. Mais le concept de mini chips, moi, j'aime bien. Ouais. Pour l'apéro, c'est cool. Après... C'est impressionnant, manger plus. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Le seul truc qui est dommage, c'est que... Ça doit être secoué dans tous les sens dans le bateau. Non, mais c'est des chips aussi, Vincent. Voilà. Et puis c'est pas en bateau, c'est en avion. C'est... Ou c'est parti en avion, voilà, mais bon, enfin... Il y a Hermine. Voilà. En avion, effectivement, pardon. Mais ça, c'est un peu ramassé. Et en même temps, c'est des chips. Voilà. Hein. Donc, bah, on en a un deuxième. Oh, mais c'est à autre chose. Ouais, pense. Cette fois. Alors, nous avons de nouveau un paquet de chips, la même chose. Mais en autre goût, donc on va l'ouvrir pour les goûter. On en a un qui s'éclate, il est au taquet là. J'ai pas le sens pour de l'attention forcément. Ouais. Alors. Ah non, ceux-là ils ont l'air d'être soufflés. Toi. Mignon. Avant on avait. Santé. Avant on avait des petites chips, maintenant on a des espèces de petites choses dans ce style. Voilà. On me demande pas si c'est un peu au fruit de mer. En tout cas, ça sent le calamar ou la crevette. Ah, peut-être, ouais. Ouais, mais c'est pas mauvais. On sait pas trop, en fait. Mais c'est pas mal, oui. C'est, effectivement, c'est un peu soufflé. Moi, j'aime bien. Ouais. En fait, il faut en mettre beaucoup dans la bouche pour avoir un peu en goût. Ça va, j'en ai mis une ou deux, c'est bon, et... On dirait plutôt calamar. Ouais. Mais c'est donc pas mal. Tu mangeras pas, c'est ça? C'est pas que je vais pas y manger, mais... Ouais, Bibi va s'en charger. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Bon, ensuite... Un truc au kiwi. Oh. C'était du kiwi séché. Ah ouais, effectivement, un petit paquet comme ceci. Jamais goûté de kiwi séché. Bah, ben, ça va être une première alors. Hop. Parfaitement. Sachet refermable. Ouais, c'est ce qui est cool.
Ça sent le kiwi. Ouais, c'est bon, franchement. Et c'est intéressant. Alors. Tiens, bouh. Bah, si, hein, c'est. C'est du kiwi. Ah. C'est, voilà, c'est. Ouais, c'est du kiwi. Là. Peut-être si je vous le montre comme ça, vous le verrez un peu mieux. Salut. Voilà, c'est du kiwi. C'est du kiwi. Qu'est-ce que tu en penses? Kiwi séché, hein. Tu valides pas? Et au goût, ça dit quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Bah, sois surpris ou pas, mais ça a le goût de kiwi. Ah, c'est vrai? Carrément. Mais, c'est pas mal. Dommage du peu qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y en a pas grand chose. Tu veux qu'un petit bout? Non, ça va. Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Bon, ensuite. Alors. Nous avons ceci. Avec au poisson. Là, c'est vraiment au poisson, je pense, parce que vu. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Non, avec ça. Vu que nous avons une petite tête de poisson dessus. C'est des petits filaments de poisson. Ouais, ça je pense que ça va. C'est pas pour toi, c'est ça? Non, ça te trempe un peu. Je pense que ça risque de péter facilement. Pourquoi? Parce que c'est super fragile, hein. Mais est-ce que c'est sec? Alors. Qu'est-ce que t'en penses? Un courage? Non. Même pas, c'est dur. Enfin, c'est space. Alors là, pour goûter l'eau, je crois que ça va être un peu au poisson vu l'intérieur, oui. Et que Kenny porte à ce truc. Ah oui, d'accord. Tu fais check? Check? Voilà. Effectivement, c'est un goût de poisson de calamar, quelque chose dans ce style. En tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, Kenny? Non, mais t'as pas la fille. Tu veux? Non, non, non. Et voilà. C'est ici. Viens là. Ah bah voilà. Mais pas tout. Allez, tire. Non, tu vas les couper de moustache. Mais encore. Non. Tiens. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pour nos chats, hein? Voilà. Est-ce que tu sais au moins que c'est bon pour lui? Ben, c'est un petit bout. Ah, ça, il a eu un petit bout, voilà. Il a bien aimé sa base de poisson. Hein. Bon, vas-y, pioche. Enfin, c'est pas mal. Pour une fois, c'est pas trop puissant. Alors, après, nous avons quoi? Ah, mais tu vomis, c'est sur son lit. Ça, quoi, ça? Aucune idée. Nous avons droit à un petit paquet comme ceci, voilà. Avec des petits œufs dedans. Non, c'est pas le bon. Alors, tiens, nous avons le droit, voilà, comment je dis, des petits œufs comme ceci dedans. Sucré, salé, j'arrive pas à définir. Dedans, c'est de la cacahuète. Oui. L'enrobage autour, j'arrive pas à définir, effectivement. Mais c'est bon. On dirait du sucré, mais avec du point de salé, donc c'est compliqué. C'est vraiment... C'est de l'umami. C'est vraiment compliqué à définir si c'est du sacré ou du lait. Du sacré, oh là. Du sucré ou du salé. Mais c'est très très bon. Bon, ensuite, nous avons plus grand chose. Alors, bon, ça on va peut-être y éviter. On peut envoyer faire à la fin. Je pense que, ouais, bubble candy, ça... Ceci, on essaiera après, à la fin. Alors ça, on va pas y faire, parce que c'est des trucs comme chaque fois pareil. Une fois, je ferai avec tous ceux que j'ai, comme je vous ai déjà dit. Tu sais où ils sont? Oui, je sais où ils sont les autres, c'est bon, voilà. C'est un truc à faire soi-même, pour faire une espèce de petit truc gelé et tout, voilà. On va sortir ce qu'il nous reste, voilà. Mm-hmm. Alors, tu veux commencer par quoi? Ça, ça me semble bien. Voilà. Ça va peut-être une gaufrette. Alors, voilà, nous avons ceci. Gaufrette. Alors, c'est une gaufrette parce qu'elle est marquée là. Comment ça, elle est marquée là? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Alors. Non, 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 arrête pas. Alors, on va peut-être pas prendre toute la gaufrette, on va essayer de casser un petit bout. Ouais, la moitié de la gaufrette, mais il me semble qu'il y a quelque chose dedans aussi, non? Non. Genre un... Non, c'est un truc... C'est juste un truc au carton, ouais. Qui ouais. Est là. Bon, que... voilà, c'est quand même une grosse gaufrette. Hein. On va essayer de la casser en bout. Voilà, hop. C'est une gaufrette en même temps. Ah, une gaufrette farcie au chocolat. Voilà, c'est de la gaufrette hein, avec du choco au milieu.
Alors. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite gaufrette? Il y a beaucoup de gaufrettes et pas beaucoup de chocolat. Ouais, hein. Mais elle n'est pas mauvaise. Ça manque effectivement un petit peu de chocolat encore. Mais c'est pas mal. Bon, on va passer à ceci. Crunch chocolat. Donc c'est à peu près la même chose que l'autre, truc crunchy. Oui, mais chocolat blanc. Mais là, cette fois, on dirait chocolat blanc et... Ou chocolat blanc cookie. Enfin, voilà. Chocolat blanc avec pépites de chocolat, peut-être. Ouais, peut-être. Chocolat noir. Ou gris, ou je sais pas. Gris. Non, gris, non. Chocolat gris. Alors. Donc, ça a l'air d'être la même chose que tout à l'heure, mais en chocolat voilà, blanc. Voilà, c'est un chocolat blanc avec effectivement des pointes de chocolat noir pour du cookie à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On dirait qu'il y a un petit goût de fraise. Non, non. Si. On dirait, à premier abord, un goût de fraise. Ou vanille, je sais pas. Ouais, plutôt vanille. Plus vanillé, je trouve. Hein. Mais c'est bon. Mais c'est super bon. Ouais. Bon, nous arrivons gentiment à la fin de cette dégustation. Il nous reste une petite chose à découvrir. Que je vais tester, effectivement. Voici le petit paquet en question. Alors, on va faire comme ça, voilà. Ou, à première vue, ça doit faire blub-blub. Ouais, ça doit faire blub-blub dans la bouche, ou plop-ploc. Je sais pas trop, ça a l'air d'être bien... C'est marqué Grab Bubble Candy. Donc, ah. C'est comme les tiki, peut-être. Peut-être, ça a l'air comme les tiki. Tu veux un petit bout? Vas-y, toi d'abord. Non. Ou. Je me demande s'il faut pas y mettre peut-être dans de l'eau. Non, c'est... Non, non. Vas-y. Bon, bah vas-y! T'es pas croyant. Ça ah! Ça pique sur la langue. Oui. Effectivement, c'est un peu effervescent. Ça mousse? Ouais. Maintenant, on va faire le sauvage. On va mettre de l'eau directement dessus. L'effet de l'eau dessus, ça fait rien. Par contre, directement sur la langue. C'est effervescent. Effectivement, c'est un petit coup effervescent. On va croquer. Mmh. Voilà, ok. Il faut croquer. Mmh. Oh merde, non, c'est dégueu. Évite d'ouvrir la bouche. Effectivement, quand vous croquez dedans, le mélange avec la salive, ça fait une bulle de mousse. C'est impressionnant. Et pour voir à côté, c'est dégueulasse. On dirait qu'il a la rage. On dirait, effectivement. Après, c'est un petit goût cerise. Voilà. C'est pas si mauvais, mais. C'est pas le meilleur truc. Voilà. C'est un truc pour les gamins. C'est, ouais. Oh bah c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi, effectivement. Bon, sur ce, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, nous, c'était intéressant, cette petite dégustation. Il y a des trucs qui étaient franchement sympas, d'autres un petit peu bizarres, mais bon, c'est voilà. Sympa, comme d'hab. Ouais, comme d'hab, il y a des trucs sympas, des trucs moins sympas. Donc, en tout cas, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.